Bon matin, donc on est jour 2 à Mont-Tremblant. Donc ce matin, cette nuit, je veux dire, Juliana, elle a quand même bien dormi. Ça n'a pas été si pire que ça, mais de 4 à 5 du matin, elle n'a pas dormi. Pendant genre 1 heure, elle faisait juste. On dirait qu'elle était comme. Elle se demandait où ce qu'elle était, puis tout. Fait que. Je sais pas. Elle avait vraiment besoin d'un petit réconfort. Fait que j'ai donné du lait, puis tout ça. Elle voit pas de lait sinon, mais c'est juste. Dans ces moments-là. Là, vous entendez, c'est le gars, mon chum, qui est comme sur son téléphone. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a comme bien dormi sinon. On s'est réveillé à 8 h. Là, on va déjeuner. Il est quand même tard, là. Il est déjà 10 h 15. Mais on va déjeuner. Si on est quand même en vacances, là, on voulait prendre ça bien relax. Fait que ça va bien, là. Bon, désolée, j'ai fermé la porte. C'est ça. Fait qu'on est. On est mercredi. Là, on va déjeuner. Après ça, on va aller au village du Mont-Tremblant. Dans le fond, il y a tellement de magasins, des belles maisons, tout ça. Fait que je vais vous filmer des petits bouts. Fait que c'est ça. Fait que on va aller magasiner un petit peu. Je veux vraiment absolument manger une queue de castor. On dirait dans ma tête, Mont-Tremblant, ça signifie genre queue de castor. Fait que je veux vraiment manger ça tantôt. Fait que c'est ça. Fait que on a vraiment eu une belle nuit, une belle soirée hier soir. Fait que c'était vraiment fun. On a fait un feu. J'ai mis Netflix, tout en tout cas. C'était vraiment fun. Fait que moi j'ai pris un bain. Je prends jamais de bain dans la vie, mais là hier j'ai pris un bain. C'était vraiment vraiment le fun. Mais j'ai pas. C'était un bain tourbillon, mais j'ai pas pris le tourbillon. Parce que je trouve ça toujours dégueulasse, on dirait le tourbillon. Même des bains d'habitude, je trouve ça dégueulasse. Mais là, je trouve la salle de bain comme propre et tout. Fait que ça m'écœure pas. Mais sinon, habituellement, j'aime pas vraiment ça prendre des bains. Encore moins à des hôtels ou des Airbnb ou peu importe. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait que là, on va partir dans pas très long. Là, on va déjeuner. Puis après ça, on va s'en aller. Et on va aller faire un tour du village. On va venir vers, mettons, 2 h 30, 3 h. On va dîner plus vers cette heure-là parce que là, on déjeune quand même tard. Fait qu'on n'aura pas faim pour dîner. De toute façon, on va être là-bas. Fait qu'au pire, on mangera, comme je vous dis, une queue de castor comme vers plus midi. Un midi, 1 h. Puis on va revenir vers comme 2 h 30, 3 h pour. Tu sais, je dis des heures approximatives, là, ça se peut que ça change, là, mais approximativement, ça ressemble à ça. Pour faire la sieste à Juliana, parce que ce soir, dans le fond, on s'en va à Tonga ou Tanga Lumina. J'ai entendu autant de mauvais commentaires que de bons commentaires. Fait que je me suis dit, rendu là, je vais y aller avec comme mon avis à moi, puis on va y aller quand même. J'ai entendu juste dire que c'était comme cher pour qu'est-ce que c'était. En tout cas, on va voir. Moi, je veux vraiment pas me fier sur les gens, là. Des fois, les gens, des fois, c'est comme. Pas comme. On n'a pas toutes les mêmes façons de voir les choses, en tout cas. Fait que je veux vraiment y aller avec mon. Comment que moi, je veux. Avec mon ressenti, là. Je veux aller voir de quoi ça a l'air. Mais c'est à 9 h 15. Fait qu'on va partir comme vers 8 h 30. Dans le fond, c'est dans les. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme dans les bois. T'as comme dans les montagnes, les bois, la forêt, je sais pas trop, en tout cas. Dans le fond, c'est des lumières. Des lumières. Fait qu'on va aller voir ça. Puis, c'est ça. Puis, pendant la sieste, ben, je vais faire comme 2 brassées de lavage. On a comme la chance d'avoir des laveuses sécheuses. Fait que rendu là, je vais les utiliser. Puis, je vais comme faire du lavage pour pas en avoir trop à faire en revenant. Fait que, en ce moment, justement, il y en a une qui est. Tout le linge de friperie que hier j'ai acheté, puis à l'aubainerie, ben, Emilia voulait comme mettre déjà des vêtements de là. Fait que j'ai comme décidé de les laver déjà ce matin, le temps qu'on déjeune, puis avant qu'on parte. Puis je vais les mettre dans sécheuse le temps qu'on va partir, là, il n'y a pas de danger. Fait que c'est ça. Fait qu'on va pouvoir faire du lavage, puis je ne veux pas en avoir trop en revenant. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, moi je vais vous laisser, puis on va se reparler plus tard.
Bon, fait que là, on est revenu, on est allé au petit village. C'était intense, il y avait vraiment beaucoup de monde, puis il fallait comme monter la grosse colline, en tout cas. Puis on a vu que pour ce soir, c'est par là aussi qu'il faut aller pour. Il faut aller pour. Tanga Lumina. On est allé acheter des trucs, je vais vous les montrer après. C'est dans les deux sacs-là ici, je vais vous les montrer. On vient juste de. On est en train de faire notre spaghetti, comme vous voyez, puis j'ai fait une salade César. J'avais plus de fromage, fait que j'ai pris des ficellos que j'ai coupé comme en petites languettes comme ça, fait que ça fait bien la job. Puis dans le four, il y a des croutons maison. Je sais pas si vous avez déjà fait des gros croutons maison, mais c'est tellement meilleur. Puis c'est vraiment économique, là, tu prends les croûtes de pain, là, tu sais, que personne mange. On met sel, poivre, puis sel d'ail d'habitude, mais là, on n'a pas de sel d'ail. Ou pas d'oignon, peu importe, mais là, on n'avait rien de ça. On a juste mis sel et poivre, puis ça va être bien correct. Puis... avec la vinaigrette renée. Ça va être ça. Ouais, c'est la meilleure. Mais elle est difficile à digérer, par exemple, mais elle est bonne. Fait qu'on va faire ça. Après ça, après avoir mangé, on va. Ben, j'aimerais ça goûter mes petits bonbons et tout ça que j'ai acheté. Je vais vous les montrer. Puis après ça, on va aller à la piscine du condo, là, du Airbnb. Il y a comme la piscine d'hier qu'on est allé. On aimerait ça aller se baigner. Fait que ça ressemble assez. Finalement, il fait plus chaud que je pensais. Fait qu'au moins, c'est le fun pour ça. Fait qu'on va manger du petit spaghetti pour dîner. Puis après ça, ben on va aller se baigner. Fait que ça ressemble à ça. Bon, fait que je vais vous montrer ce qu'on a acheté là-bas. C'est dans deux sacs comme ça. Ok, je vais te montrer là, en tout cas. Il y a des trucs à moi, des trucs aux enfants. Donc, comme je l'avais dit, on avait donné 100$ à chaque enfant pour qu'il décide, ben à chaque enfant. On avait chacun 100$ pour s'acheter des trucs. Hier, on a acheté chacun des trucs, pour aujourd'hui aussi. C'est ça, parce qu'en fond, on fait comme. Moi, je veux tout le temps. J'aime ça faire ça parce que je leur fais comme comprendre un peu la valeur de l'argent. Fait que je trouve ça le fun. Pour ça, fait que c'est ça. Fait que là, les enfants. Émilie, elle s'est acheté ça ici. C'était comme un truc que c'est dans un magasin de bonbons, ça. C'était 5,99. C'est de la poudre. Hein? C'est de la poudre que tu mets dedans. Fait que c'est comme un bonbon comme celui-là. Je sais pas trop. Alors, fraise et cerise, je sais pas si vous l'avez entendu. Non, Jana! Non, non, non! Attends une minute. Ensuite, Émilie s'est pris ça ici. C'est comme un vaporisateur surette de un bonbon, là, tu sais, à la framboise bleue. Ensuite, ça, c'est quoi, l'autre? Il est pas là. Il est pas là, mais il était dans en tout cas, dans un autre sac, on s'en fout, là, de qui tu fais ta cuillère. Dans une autre affaire, mon chum, c'est une affaire de montre en blanc. Mon chum a acheté un petit shooter comme ça en bois. Il est 8$, c'est quand même cher. Fait qu'il est vraiment beau. Fait que vous savez que moi, je fais une collection de shooters à la maison. Fait que quand on va avoir notre maison, on peut comme se faire une petite place pour les shooters. Le gars, mon chum, il s'est pris des tasses. Oh, ils ont mis des affaires dedans. Ah. Ok, fait qu'il y a ça ici, deux porte-clés comme ça. Ici. Ensuite, ça c'est pour Nicolas. Il s'est acheté des tasses. Il aime ça boire du chocolat chaud, fait que. Puis il adore les trucs de chasse et tout ça. Fait qu'il s'est acheté deux belles tasses. Il y en a une ici, c'est un ours. Elle était 22$. C'est vraiment cher, mais elle est vraiment belle. Fait que elle. Puis, l'autre truc qui s'est acheté, celle-là ici, c'est un orignal ou un chevreuil, je sais pas. Orignal, fait que c'est vraiment beau. Pour vrai, je trouve ça vraiment beau. C'est comme trop, ben, comme ça ressort un peu, là. C'est comme un peu 3D. Fait qu'il y a deux belles tasses pour comme 50$, je pense, 55. 56. Fait que Nicolas s'est acheté ça. Là, désolé, j'ai parti une laveuse, si vous entendez, c'est une laveuse. On a une laveuse, j'en profite, comme je vous ai dit. Plutôt. Mon chum s'est pris ici, c'est des... C'est quoi ça? C'est des bijoux? C'est des... Ah, des aimants. Il y en a un à Nicolas, puis un à mon chum. C'est des aimants. Voyons. Ça colle. Des aimants comme ça, écrit tremblant. C'est des orignales. Tu peux ouvrir des... Ah, ok, ouais. Bon, ici, puis la dernière ici. Ok, tu peux ouvrir avec ça. Ok, c'est le fun. Ici, un petit orignal comme ça, à 5$. Puis, mon chum s'est pris des crayons.
écrit tremblant, fait que c'est ça. Pour le premier sac. Puis pour le deuxième sac ici, ça c'est les trucs plus. Moi je trouve bien les trucs. Moi j'ai pas acheté grand chose en fait. Fait que en tout cas, vous allez voir. Nicolas s'est rajouté aussi des petites nerds comme ça, nerd wolves. Ensuite, moi j'ai me suis acheté, j'ai vu ça, je trouvais ça vraiment le fun. Fait qu'on va goûter ça tantôt. Après mon spaghetti, on va goûter ça ensemble. Dans le fond ici, ah ben je peux goûter tout de suite dans le fond. En tout cas, c'est des mochi au pêche. Fait que je trouve ça vraiment nice. Fait que je pense que je vais goûter tout de suite. Est-ce que vous voulez goûter? Fait que c'est des mochi au pêche. Est-ce que vous voulez goûter? Oups! Tiens! Non, non, Willy? Shanna, est-ce que tu veux manger? Viens! Tu vas manger avec maman, ok? Ta maman à toi? Maman! Ok, maman va en prendre un autre. Est-ce que c'est des morceaux de pêche qu'il y a à l'intérieur? Je sais pas. Ok, on goûte. C'est comme ça ici. Non, c'est un bonbon, Emily. Bonbon, ouais, je pense bonbon, que... bonbon. Donne ça à Emily. Emily avait aimé ça. Est-ce que ça vous... Non. Merci. C'est fun. C'est fun de croquer là-dedans. Je suis pas ma meilleure affaire du monde, mais. C'est juste pour le trip un peu de goûter à ça. Moi, je trouve ça fun de manger ça. La texture, là. Ça. Ben, c'est ici. Maman. Maman. Ça. Le baba. Est-ce que c'est bon, ça? Oui. Ça, ici, c'est des bonbons que j'avais vus quand je regarde des vidéos de. Des personnes là, qui font des vidéos de manger, là, qui mangent. Dans le fond, c'est des comme des jello que tu prends d'une shot. Fait qu'on va essayer, voir. C'est comme des jello. Je vais essayer un verre. C'est comme des paires comme ça. Puis là, les personnes, ils avalent ça comme vraiment intense. Puis c'est comme du jello. OK. Là, ici, vous voyez, ça sort. Oh! Goût de jello. Qu'est-ce que vous en voulez? C'est quoi? Au raisin. Ah, ok. Fait que c'est comme du jello. Hein? C'est juste le fun à manger, je trouve. En passant, j'ai pris dans un. Dans le fond, cette boutique-là, c'était. Place bonbon. J'ai pris mes bonbons préférés que j'achète à Marie-Hélène. Mais là, j'étais là, fait que j'en ai acheté. C'est les tortues géantes, là. C'est comme vraiment le fun. Puis les baleines, fait que j'ai fait un mélange. Oh, Jana! Attention, bébé! Assis! Fait que j'ai fait un mélange des deux bonbons-là. Fait que j'ai juste pris un petit sac parce que c'est mes bonbons préférés. Moi, je suis pas une fan de bonbons, vous savez, mais ça, c'est mes bonbons vraiment préférés. J'ai pris ça aussi, je sais pas trop c'est quoi, mais moi, je suis une fan. Quand je mange des bonbons, c'est de framboise bleue. À la framboise bleue, je veux dire. Fait que là, j'ai vu ça ici. C'est comme un truc que, vraiment, ça fait comme un peu comme des ça pétille dans la bouche un peu, je sais pas. En tout cas, j'ai pris ça au framboise bleu. J'ai pris aussi des pocky au biscuit et crème. Ça, c'est sûr que c'est vraiment bon. C'est tellement bon, ces affaires-là. Puis les trucs biscuit et crème, moi, j'aime vraiment ça. Ça, c'était juste pour le fun. Je pense que je vais amener ça comme demain durant la route ou peu importe. J'aime vraiment ça comme ça fait penser à mon enfance des méga grosses gommes surettes. Je m'en rappelle, là, ça me donne du... Ça me fait baver, on dirait, là, je suis comme... je me rappelle, c'était vraiment surette, mais c'était vraiment bon. Ok, c'est ça pour ça. Après ça, le gars mon chat, c'est ça aussi. Il s'est pris des porte-clés d'orignal. Un avec un ours. Puis un autre orignal, t'as un autre... il y en a un qui est un chevreuil, ouais. Puis, le dernier truc... que j'ai pris, c'est une boisson ici, il marque au citron.
et un eau au citron. Fait que j'imagine que ça va goûter un peu la limonade. Fait que je vais goûter avec vous là. Fait que ça ici. Ok, ouais, c'est comme du... Ok, on dirait ça sent genre le 7-Up un peu. Ok, ça goûte genre... Ça goûte 100% de 7-Up. Peux-tu goûter? Oh, ça coule! Ouf. Ah, c'est vraiment bon. Avec de la glace, là, c'est sûr, il est comme chaud. Mais 10 sur 10 pour ça, je vais boire ça. C'est sûr, je bois ça. Fait que c'est vraiment bon. Regarde, ça a coulé partout à côté du chien. Mais 10 sur 10, vraiment bon. Fait que ça ressemble. Non, j'en ai assez tout, là. Fait que ça ressemble à ça pour les achats de Mont-Tremblant pour l'instant. Donc là, il est rendu 4h30. J'ai en endormi depuis comme 4h. Ça a été vraiment long avant qu'elle veuille s'endormir, mais j'ai finalement réussi à la faire endormir. Fait que, elle va faire une petite sieste parce que là, ce soir, on s'en va à Tonga Lumina, comme que je vous ai dit. Fait que c'est comme à 9h15, fait qu'elle va être comme brûlée sinon. Dans le fond, c'est une bonne affaire qu'elle dort à 4h. Fait que comme ça, elle va être comme moins brûlée probablement. Là, il s'est mis à pleuvoir. Fait que pendant ce temps-là, pendant 14 et tout, ben là, les gars ils jouent au jeu de cartes, mais là ils ont arrêté de jouer. Nous, on dessine. On dessine un peu. En mangeant du petit chocolat, j'ai mangé une pêche. Ben deux pêches. Fait que c'est ça. Il va falloir souper pas trop tard parce que, comme je vous dis, il faut partir comme à 8h15 maximum. Tu sais, c'est genre à 5 minutes d'ici, mais il faut comme aller là avant. En tout cas, il faut comme monter là, le centre-ville, ben, le village, là, le petit village qu'on est allé tantôt pour arriver comme à l'endroit pour monter puis aller genre dans la forêt, genre pour aller à Tonga Lumina, en tout cas. C'est un peu de la chenoute, puis en plus de ça, il pleut, fait que tu sais, ça va être comme... En tout cas, ça va être tout mouillé, en tout cas, ça va être peut-être dégueulasse dans le fond. Oh, excusez. Ouais, mais il va avoir comme 5 heures du monde, donc il va peut-être avoir le temps de sécher. Non, c'est ça. Il annonce pas de la pluie toute la soirée, là. C'est juste comme là, on dirait qu'il annonçait comme un petit orage, là. Fait qu'en tout cas. C'était juste un petit... Je voulais vous dire, en passant, je viens juste de me rendre compte que j'ai comme édité mon vlog, puis j'ai oublié de vous dire c'était où l'endroit qu'on était en ce moment. Fait que je vais vous l'écrire ici, là. Je vais pas l'oublier, je vais le faire tout de suite après. Je vais éditer cette boucle-là. Fait que on dort à cet hôtel, ben il y a passé un condo, fait que on dort à ce condo là. Il y a comme plein de comme petits, je sais pas comment expliquer, mais il y a comme plein de petits des petits c'est comme plein de petits condos, comme plein de petites maisons, puis c'est ça. Fait que nous on est comme dans le plateau, puis c'est comme lui dans le fond. Il y en a plein, là, plusieurs. C'est comme un peu comme, mettons, un camping, puis il y a plein de petites maisons, puis c'est comme plein de noms différents. En tout cas, c'est difficile à expliquer, là, mais c'est ça que ça veut dire. Fait qu'on est ici, puis c'est vraiment le fun, on aime vraiment ça. Moi, honnêtement, je reviendrai ici, mais c'est sûr que si je reviendrais, faudrait que je trouve comme des trucs à faire. Parce que là, on n'a comme pas rien planifié, à part Tonga Lumina. Fait que peut-être que j'aimerais ça, tu sais, faire d'autres choses. Faudrait que je trouve quoi. Retourner au village, aller magasiner, c'est sûr, parce que il est tellement grand le village qu'on a comme pas le temps. Puis Gianna était comme pas tant patiente aujourd'hui, elle était vraiment fatiguée. Elle s'est couchée tard hier puis tout, fait qu'elle n'a pas fait de sieste, fait que tu sais, j'ai l'impression que le sommeil s'accumulait. Fait que en tout cas, fait que oui, je reviendrai ici, en tout cas le condo, j'ai vraiment rien à dire. C'est sûr que ce qui est plus plate, c'est la piscine, parce qu'on pensait qu'on la voyait genre du balcon, mais finalement on la voit pas du tout. Puis en plus de ça, c'est ce que j'allais dire. En tout cas, je sais pas, mais tout ça pour dire que le condo, c'est vraiment à un. On aime ça parce que c'est vraiment grand. On peut faire du lavage. Fait que on a fait des brossées de lavage qu'on avait au lieu d'accumuler. Tu sais, à 5, on s'entend, ça va vite le lavage. On peut faire aussi, on peut apporter notre nourriture. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis,
Puis, on peut aussi apporter. Parfois, on a un lave-vaisselle. Fait que, tu sais, la nourriture qu'on apporte, ben, on peut la laver dans le lave-vaisselle. Fait que c'est vraiment le fun. La nourriture. Ben, les bols, les assiettes, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun pour ça. Fait que je vous conseille. C'est vraiment une belle place. Avec des enfants aussi, tu peux faire plein de trucs. Là, il y a vraiment pas de problème. C'est ça. Puis aussi, je voulais vous dire, ben merci à toutes celles ou ceux qui se sont abonnés parce qu'on est rendu 700 ici. Parce que c'est vraiment le fun. Là, je m'attendais jamais à me rendre à 700, mais ça a l'air qu'on est rendu là. Fait que ça va vite, je trouve. Mais en même temps, ouais, ça va quand même vite. Ça va faire 2 ans que je fais YouTube au mois de septembre. Fait qu'en 2 ans, on est quand même une belle grande famille. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis en passant aussi, on est rendu à combien? 8 vlogs, je pense, de suite. 8 ou 9 vlogs de suite. Fait que ça va continuer. J'en ai encore plusieurs à vous mettre dans les prochains jours. Fait que j'espère que vous êtes contente que j'en mette comme plusieurs depuis quand même un moment. Là, mais ça va pas toujours rester comme ça. Inquiétez-vous pas. C'est pour ceux qui aiment pas tant ça, qui ont pas le temps d'écouter des vlogs. Mon pire, vous pouvez les rattraper, là, il n'y a pas de problème. Parce que, c'est ça, j'avais envie de filmer, puis on dirait que quand ça passe, ben je le prends. Puis il y a des moments que je vais sûrement moins filmer dans la vie, fait que là, je suis comme, j'en profite, puis en même temps, vous avez comme plein de petits vlogs à regarder. Fait que, sur ce, je continue mon petit dessin, puis après ça, on va préparer le souper quand j'ai off à l'épicerie, ouais. Quand Jana va se réveiller, on va aller à l'épicerie, parce qu'il faut aller acheter du lait. Puis après avoir été chercher du lait, ben on va revenir ici puis on va faire le souper pour se préparer après pour aller à Tonga Lumina. Fait que sur ce, voilà. Puis on va se reparler plus tard. Thank you.
Fait que là, il est rendu tard, il est rendu... 11h30. Et on est revenu, ça fait peut-être une demi-heure. On est allé, dans le fond, pour aller à Tonga Luna. Faut comme que t'ailles dans le petit village, comme qu'on est allé l'après-midi. Puis, faut comme que tu te rendes comme à mi-parcours, mettons, presque au complet. Puis, après ça, tu embarques comme dans une petite... comme les trucs pour aller faire du ski. Comment on appelle ça? En tout cas, je sais pas. Pas de navette, là, mais enfin, une remontée, là, ouais. Pour aller en haut complètement. Puis après ça, ben, tu redescends comme à pied. Et honnêtement, je donnerais la note de... Je sais pas si vous avez déjà été, mais moi, je donnerais la note de genre 6 sur 10, pas plus. Ça m'a quand même coûté comme 100$ pour nous 5. Puis Juliana, elle comptait pas. Genre, Juliana, tu sais, qui est en bas de 2 ans. Non, c'est en bas de 5 ans. C'est gratuit. Fait que tu sais, les autres, ils comptent pas. Moi, c'est 10 sur 10. Moi, j'ai pas vraiment trouvé que ça valait le 100$. Honnêtement, ça dure comme 25-30 minutes. Puis, c'est comme des lumières. En tout cas, je vous ai filmé un peu, là, vous avez vu. Il y a comme quelques petites lumières. Tu sais, je trouve que c'est comme pas assez de lumière pour ce que c'est. On marche quand même beaucoup, des fois, des longs moments de marche sans rien, genre. Mais, tu sais, c'est quand même le fun. Comme mon chum dit, c'est une expérience. Tu sais, pour Juliana, c'est comme juste assez pour les lumières, mais en même temps, je vous conseille pas d'aller là genre avec 3-4 enfants de 2 ans et moins, là, mettons. Parce que Juliana, honnêtement, on l'a eu d'un bras tout le long, fait que 25 minutes d'un bras, on s'entend, c'est mon chum qui l'a eu le plus longtemps, là. Ouais, le gars, mon chum aussi, fait que tu sais, c'est quand même rushant pour eux, parce que pour ceux qui ont des enfants en bas âge, pour vrai, c'est pas l'idéal. Puis tu peux pas, ouais. Ouais. Puis tu peux pas avoir de poussette non plus. Fait que c'est vraiment, en tout cas, c'est pas l'idéal pour les plus jeunes, mais tu sais, mettons, avec les plus grands, là, tu sais, c'est vraiment correct. Puis, c'est ça. Mais tu sais, moi, nous, on n'est pas été encore à Illumi, on n'est pas été à celui de Quaticook. Ça a l'air qu'il est super beau. Fait que, on est juste été à celui-là. Puis à date, c'est comme notre premier. Fait qu'on est comme content d'avoir pas vu les autres avant. Fait que comme ça, au moins, on sera pas comme déçus. Ben. Ouais, on sera pas comme déçus vu qu'on en a pas vu d'autres avant. Mais, tu sais, c'était quand même le fun. Ça a passé notre soirée, puis, tu sais, c'était bien parfait. Là, tu sais, moi, je donne juste comme 6 sur 10 parce que je trouve ça cher pour ce que c'est. Mais comme le gars, mon chum, lui, il dit que c'est 10 sur 10, puis il a vraiment aimé ça. Puis Émilie, ben, elle a eu peur. Parce que, tu sais, c'est comme des lumières, mais c'est comme une histoire d'un géant. Mais en même temps, j'ai comme pas compris l'histoire, c'était quoi, mais en tout cas. Tu sais, c'est pas la meilleure affaire du monde, mais. C'est bien correct. Ouais, on avait un chevreuil aussi avant. Vous avez vu, on avait un petit chevreuil quand on est allé au marché parce qu'il nous fallait du lait. Juliana! C'est quoi qu'elle veut? Je sais pas. Fait que c'est ça. Fait que en tout cas. Fait que tu sais, je vous le conseille d'aller l'essayer. Mais si vous êtes allé inquiétez-vous pas, là, il est avec son frère. Si vous êtes allé comme à Quaticook ou genre à Illumi, c'est sûr que vous allez trouver ça vraiment plate. Fait que, en tout cas, fait que là, nous, on va aller, on s'est lavé. Mon chum est dans la douche, il restait juste lui dans la douche à se laver. Puis, non, le gars, Nico, il s'est pas lavé. En tout cas, il manque les deux gars à se laver. Ah, ça suce. Puis, ça ressemble à ça. On va aller se coucher. Fait que là, j'en ai comme vraiment à bout. C'est normal, là, ça fait comme 2 nuits qu'on se couche vraiment tard. Fait qu'on va aller se coucher, là, parce que... Moi, j'aime ça, le goût. Ouais. Fait que c'était vraiment... c'était correct. Comme je vous dis, c'était correct, c'était le fun. Mais, tu sais, je veux dire, j'y retournerai pas. Puis encore moins avec un enfant de cet âge-là, parce que honnêtement, elle a comme trouvé ça long vers la fin. Faut comme marcher un bon 10-15 minutes à la fin. Puis il y a comme plus de lumière, rien. Ben, presque plus de lumière. S'il y a genre des petites lumières à terre. Mais, tu sais, c'est comme vraiment long, vraiment plate. Fait que là, elle a commencé à trouver ça vraiment long. Tu sais, nous, on trouve ça long. Fait que j'imagine même pas elle qui est fatiguée. Parce que, tu sais, c'est comme le soir. Fait que, en tout cas. Fait que c'est pas pour chialer, là. Mais, tu sais, c'est comme pas l'activité idéale pour les plus jeunes. Mais, c'est bien correct en même temps. Puis, c'est ça. Ça nous a passé notre soirée. Fait que, comme, c'est une petite expérience. Mais, je sais que Illumi, puis, celui Aquatico qui est vraiment meilleur. Je sais, tout le monde me l'a dit avant. Mais, je voulais le voir par moi-même, puis là, ben, je suis allée le voir. Puis, tu sais, je sais pas ce que j'allais dire. En tout cas, fait que tout ça pour dire que là, je vais fermer le vlog. Vous avez vu notre petite journée à Tremblant, notre deuxième journée.
Et ça a été vraiment une belle journée. Quand même, ben, plus tranquille qu'hier, un peu. On a comme moins gossé dans les magasins pis tout. Ben, non, pas tant tranquille. Finalement, on a quand même été dans les magasins. On a fait beaucoup, ouais, tout le monde était bien stressé à cause qu'ils savaient pas dans quoi ils s'embarquaient pour asseoir. Moi, j'étais pas dans ces nerfs, là. C'est juste que, ce qui me stressait, c'était le remont de pente, comme, de sortir à temps, puis de rentrer à temps dedans. Mais, c'est ça. Mon chum et sa fille étaient vraiment ces nerfs, fait que c'est pour ça que, c'est ça. Toute la journée, ils ont comme stressé pour ça. Mais, ça s'est bien passé. Puis, il y a personne de mort, personne s'est fait de mal, puis personne n'a tombé. Je pensais que j'allais tomber 3-4 fois, mais j'ai pas tombé. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de côtes. C'est vraiment intense. Il y a énormément de côtes. Genre, quelqu'un avec une chaise roulante ne peut pas aller là. Quelqu'un qui a de la misère à marcher, qui ne peut pas y aller. Moi, c'est vraiment intense. Moi, j'ai plus peur à cause de bébé. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de côtes. Tu sais, genre, ça monte à pic. Comme maintenant, t'es essoufflé. Tu sais, on a comme pris un petit break. Ou des descentes. Ou des descentes vraiment, genre, à pic. Là. Fait qu'en tout cas. Fait que je vous conseille pas à ceux et celles qui ont de la misère aussi à marcher. Puis je vous conseille pas non plus si vous avez des jeunes enfants. Puis je vous conseille pas non plus en poussette. Puis non plus aussi mettez-vous des souliers parce que c'est vraiment c'est plus à pic. C'est comme dans la garnotte. Hein? C'est très comme sableux. Ouais. Ouais, c'est comme c'est la roche. Beau, ouais, fait qu'en tout cas. Oui. Mais tu sais, mettons, je donnerais une note de 6.5 sur 10. Le gars, mon chum, donne un 10 sur 10, lui. Moi, en plus, je parle à cause de bébé, quand on monte dans ouais. Puis toi, Emily? Mon chum, il a dit 6 aussi. 5,5. Emily, 5,5, mais elle a vraiment, elle aimait pas vraiment ça. Elle avait plus peur parce que c'est quand même, on dirait que c'est comme la musique, elle est comme effrayante un peu. En tout cas. Fait que. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire, merci de nous avoir écoutés encore une fois. On va se revoir demain. Demain, ça va être moins comme. On va être encore à temps blanc, mais on s'en va à la maison, c'est comme dans l'après-midi. Mais on va aller en friperie. J'aimerais ça aller en friperie encore une fois. J'ai trouvé un autre friperie qui s'appelle le Scandinave, je pense. Le Samaritain. Fait que on va aller voir ça. Puis je vais regarder d'autres aussi. Je vais essayer de retrouver d'autres endroits pour aller magasiner un petit peu. Parce qu'il reste encore un peu de sous de nos 100$. Emily, il reste 50$. Nico, je pense qu'il reste plus d'argent. Moi, ça, il reste 1$. Puis, moi, je pense qu'il me reste 60, 80. Juju, il reste 40. Puis, mon chum, lui, il reste 60$. Ouais. Fait que tout ça pour vous dire, en tout cas, fait que tout ça pour vous dire, merci de nous avoir suivis encore une fois. Puis, on va se revoir demain.